Bonjour à tous, beaucoup plus de nuages aujourd'hui sur le pays. La faute à cet anticyclone qui a régressé en direction des Açores et qui laisse passer de l'humidité venant des îles britanniques. Conséquence, eh bien, beaucoup plus de nuages sur tout le pays. Quelques averses attendues de la Normandie jusqu'aux Ardennes ainsi que sur tous les reliefs, excepté le massif central. Plus de soleil tout de même autour de la Méditerranée, mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Les températures tout juste de saison, 19 à Paris, 22 à Strasbourg, 15 degrés la minimale encore une fois pour Cherbourg, 23 degrés le long de la Garonne, jusqu'à 26 degrés autour du golfe du Lion. Ce soir, de moins en moins de précipitations, excepté donc sur la Bretagne, la Normandie, les Pyrénées ou encore les Alpes. Un peu plus de nuages partout ailleurs, ciel plus dégagé autour de la Méditerranée. On verra l'arrivée de nouveau de ces averses en matinée, du Nord-Pas-de-Calais en descendant jusqu'au Massif central, en passant par la région centre, l'Île-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire. Des averses plus fréquentes matin comme après-midi sur la Bretagne et la Normandie, sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Plus de nuages avec un temps variable sur le reste du pays. Quelques ondées sont possibles autour de la Méditerranée, toujours plein soleil avec encore une fois le vent. Les températures en matinée, elles sont de saison, comprises entre 5 degrés à Aurillac jusqu'à 16 degrés à Perpignan, en passant par 9 à Dijon ou 11 à Bordeaux. Et dans l'après-midi, une petite hausse qui s'amorce. 21 à Paris, 22 à Strasbourg, 15 degrés à Cherbourg, 22 encore une fois le long de la Garonne, 22 également à Lyon, jusqu'à 25 degrés du côté de Marseille. La suite du programme avec pour mardi une France coupée en deux. Un ciel plus nuageux sur toute la moitié nord avec quelques ondées, des averses plus fréquentes sur la Bretagne, temps plus sec dans le sud du pays, une moyenne de 20 degrés sur la France. C'est à partir de mercredi que le temps va devenir très très instable avec une nouvelle perturbation qui va donner des pluies continues des Pyrénées en remontant jusqu'au nord. De part et d'autre, on aura des averses localement orageuses sur l'ouest avec une baisse des températures, mais les températures vont de nouveau regrimper à partir de jeudi avec toujours un ciel plus nuageux sur la moitié nord. Excellente journée à tous sur France 2.